Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir à tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Bombad Media là, là depuis Bombad Police. C'est un plaisir pour nous entrer la caillou encore avec yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressés, pas oublier abonner avec Bombad Media Now et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Bombad Media Now là. Et bien, nous pas perdre de temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. C'est un total de 140 panneaux solaires qui installés sous site Venea grâce à financement USAID et puis Banque Interaméricaine Développement BID. Selon le premier ministre Joseph Jout, projet ça yo entré dans cadre li cap mener contre changement climatique là ak je fò la présidence ak gouvernement pour rive garantir accès à l'eau potable dans tout pays. Nous sommes en train de construire notre résilience face au changement climatique et mettre Haïti sur la carte mondiale en matière de lutte contre le changement climatique, contre la destruction de la nature et manquer plusieurs points en termes d'utilisation d'énergie propre. Ce projet vise à assurer des services d'eau et d'assainissement durables et à accroître l'accès à l'eau potable et à l'assainissement en Haïti pour les communautés précaires et vulnérables. Premier ministre Joseph Jout salue contribution ensemble partenaires qui financent le projet ça et puis félicite responsable Dini Payo pour travail ça pendant lui encourager à continuer à construire l'autre infrastructure cap marché avec énergie soleil pour vivre la population de l'eau dans la caillou. Au nom du président de la République et au nom personnel, je tiens à saluer la contribution et l'apport technique et financier de tous nos partenaires techniques impliqués dans la réalisation de cet ouvrage d'envergure qui renforce la disponibilité de l'eau potable au bénéfice de la population de la ville de Kay et des zones avoisinantes. C'est avec un peu de joie, Ville Kay accueille un nouveau travail sérieux qui est réalisé pour faciliter l'accès à l'eau potable d'après le président du conseil communal là, Marie-Michel Sylvie Rameau, qui souhaitait dire ne pas continuer le travail pour alimenter toute l'autre localité qui peut gagner de l'eau dans la commune. L'administration communale de Kay accueille avec joie la mise en service du système de pompage à énergie solaire et exprime ici toute sa gratitude à l'USAID pour son appui qui facilitera la fourniture en eau potable à une bonne frange de la population cayenne. Sorti 2010 pour 2017, dit n'est pas construit trois fourrages dans la commune au Kay grâce à financement partenaire LIO d'après directeur office régional de l'eau potable et assainissement au Repas Sud-là, Philippe Eliscar. Malgré le travail sérieux, compagnie n'a pas privé satisfait de son communauté à cause de problèmes énergie pour distribuer de l'eau, selon responsable là. Construction système pompage et énergie soleil ça a une pile importance dans le cadre de travail distribution de l'eau potable là. Malgré la disponibilité de l'eau au niveau des 5 fourrages existants, le problème de la discontinuité de l'énergie électrique dans la ville et le manque de moyens financiers pour l'achat de carburant nécessaire au fonctionnement du groupe d'hydrogène empêchait le secteur de Kay de desservir convenablement la population. Dans le cadre de ces travaux, deux pompes hybrides capables de débiter environ 1500 mètres par jour, un système photovoltaïque composé de 160 panneaux solaires de 350 watts chacun ont été installés et ont ainsi s'ajouté aux premiers 80 panneaux installés avec la pile d'amide. Ingénieur Philippe Eliscar mandé l'État à la communauté internationale là pour continuer à accompagner et puis mandé population pour payer facture de paye. Brave population de la ville de Kay, nous vous exhortons à faire confiance à la DINEPA, à payer régulièrement vos factures d'eau afin que nous puissions continuer à garantir la distribution de l'eau et améliorer les services. C'est un total 580 000 gallons de l'eau, nouveau travail ça eu permet de ne pas distribuer dans la commune au Kay, d'après le directeur général institution, Guito Edouard. Travail n'a pas de facile, d'après ça, il déclaré. Mais si le projet ça, mettez sous génératrice de ne pas disposer dans la commune, pour faciliter la distribution de l'eau par la population. Une station de pompage de 240 panneaux solaires. Chaque panneau, ça a eu
une capacité de 350 watts et qui alimentait 5 forages qui devaient être là. Et chaque forage, ça y est, gain là-dedans qui 23 litres secondes, gain qui atteint jusqu'à 76 litres secondes, coût d'exploitation des eaux extrêmement cher pour utiliser le groupe électrogène. C'est ça qui fait que l'USAID vous accompagne dans ce sens-là. Nous, en premier démarche, président, qui veut nous, faut que nous utilisions l'énergie solaire. Majorité de réseaux qui va fait ça là, pour être capable de diminuer le coût d'exploitation, et bien c'est l'énergie solaire qui va utiliser. La station de l'eau Venea a inaugurée dans l'année 1933 sous présidence Tenio Vincent. Les réhabiliter plusieurs fois déjà. Grâce à l'inauguration du système pompage à l'énergie solaire, la capacité de production de l'eau atteint 300%, clientèle dîner pas augmenté à 18%, ça qui vient augmenter revenu compagnie à 46%. Pour qu'on y a dans la ville locale, plus passe 30 millions à jouer la caillou. Dans le moment où on a parlé là, travail construction barrage sur rivière Marion en fini à 97%. Président Jovenel Moïse, qui était réuni pendant un bon bout de temps avec technicien responsable chantier, la population en rendez-vous, premier mec à venir là dans la commune Grand Bassin, Terrier Rouge, pour inauguration barrage là. Moi, je connais. Marion construit seulement pour protéger mon malfaitique, continuation, pour nous faire poisson, pour produire courant, pour vous aider. C'est ça, je connais. Mais je me suis pour l'autre nouvelle encore. Quantité de l'eau pour aller, pas évaporation, transpiration, de l'eau ça a monté, c'est un coup, la permettre nous vienne plus quantité de millimètres la pluie tomber dans la zone. Et pas oublier Marion, c'est une rivière qui est bassin hydrographique nord. Il y a un petit gros bassin hydrographique pays. Il y a 42 rivières qui sont la donne. Elle mesurait 1000 km carrés. Il représentait un 27e territoire national. Mais invitez tout le monde. Dans tout le pays, 1er mai 2021, pour l'inauguration du barrage Marion, plus gros ouvrage qui fait sur un mandat au président depuis le pays a existé. Ça veut dire m'inviter tout haïtien pour venir là, pour venir avec Denawe nous, là, il y a une volonté, il y a une vision, il y a une détermination, et puis il y a une équipe tout. Équipe, ministre, ça ressemble avec moi aujourd'hui, que je profite, remercier, féliciter, me dire, équipe. Même j'étais avec le premier ministre ça, qui déterminait depuis mars, ensemble avec nous, notre travail. Équipe ça, qui campait comme un seul homme, qui campait avec nous, qui rend gros travail ça, les possibles. 12 barrages étaient prévus à faire pendant le mandat président Jovenel Moïse là. Dans la perturbation politique, c'est 3 qui arrivaient fait. Marion, La Tannerie, et barrage sous rivière Massacre. Chef l'État dit qu'il est satisfait de ce que le secteur paysan a bénéficié en pile de travail ça. Trois, pour qui ça c'est trois seulement nous fait? Pays loc, crasé brisé, boule machine, boule l'école, boule tout bagarre dans le pays, boule équipement. C'est lui qui mette nous dans la situation côté nous, nous sommes supposés faire 12, nous fait 3. Même profite l'occasion pour me dire toute femme, toute femme qui est dans la politique. Pour me faire un seul conseil. Gardez de l'heure. Nouveau et Duval y aller, même des petits mouns. En 1985, le pays a chaud. Nouveau et Duval y aller, aujourd'hui, gardez combien de brigandages qui fait dans le pays déjà. Barrage microcentral hydroélectrique sous rivière Marion entre à la rosée environ 10 000 hectares. Il y a un réservoir 10 millions de mètres cubes et puis 3 digues en terre pour faire remplissage. Il y a deux conduits de l'eau qui sont installés sous barrage rivière Marion et puis un déversoir en béton qui a une capacité 450 mètres cubes chaque seconde, avec une station pompage solaire 53 kW. Travail construction barrage Marion avancé à un grand pas. Différents cultivateurs et éleveurs battent bravo à cause de Yodi. Ils ont commencé à bénéficier bien fait barrage là qui poco fini. N'a pas invité nous suivre déclaration Youn La Dayo non micro TNH. Par rapport de travail Marion, c'est pas ça. En pile monde qui garde, en pile éleveur qui a perdu bête. Les gens qui font jardin ont perdu. Tout le monde dans la zone a perdu, mais dans le moment là, nous n'avons pas perdu. Tout le monde garantit. Vous regardez dans le moment là,
par rapport de travail maillon tout le monde qui plante dit tout le monde qui a tout le monde content parce que tout le monde fait dit fait comme et pas président dit qui pour prendre l'argent mettez dans poche mais gon travail qui vous fait ou vous êtes bénéficié. Et puis, nous fait qu'on est pendant l'étape mettez bout dans deux jours, vireront l'étape fait pendant le week-end passé, dans le département nord et nord-est. Président Jovenel Moïse fait un campé dans la commune Saint-Raphaël pour garder état avancement plusieurs projets cap exécuté dans la commune ça. Projet ça concerné réhabilitation centrale de Hlan et reconstruction place publique là. On suit un extrait. Décision pour une construction centrale électrique 7,2 MW pour alimenter. C'est Raphaël qui est en bout de ligne. Moi-même, l'homme de la campagne, nous sommes l'homme de venir sur place là. Nous devons mettre nous, on a construit place là. Mais pays a boulé, pays a crasé, ferme pour 4 ans, je présente l'excuse publiquement devant nous, tout le monde, c'est Raphaël. Respect le mien pour nous, que nous avons construit place là. Parce que nous avons le pouvoir, nous avons le pouvoir pour nous servir. Nous avons le pouvoir pour nous prendre, pour nous courir, pour nous faire un petit passe-coute, ni tout, pour nous faire un complot sous nous. Parce que le pays, ça, j'aime toujours dire, tout est nouveau maintenant, l'homme va avoir 4 ans, mais je me rends compte que l'État, ça, son l'État prédateur, et faut l'État, ça, avant de changer en l'État serviteur, en l'État pour nous servir. Même gens ou même, ou mandons bagay, faut l'état à tambour. Et là, le tambour pour venir nous servir. C'est pour ça, nous dépassons Saint-Raphaël, ça y est 6 mois, nous sommes ça, nous campons dans la station de motocyclette là. Nous gardons, nous pas de contact. Nous parlons, nous descendons. Nous pas de perdre tout. Nous pas de perdre parce que nous pas de cracher sur nous. Par exemple, nous devons voter. Nous demandons, nous disons, président, nous abandonnons nous. Nous avons 3 ans et demi, nous sommes pour voir, nous avons fait rien pour nous. Nous détendons. Et nous prenons note. Nous prenons note. Nous disons que nous avons un courant. Mairie a fermé. Le commissaire a fait une machine. Nous avons rempli le stade hôpital là. Je dis à celle l'arrivée et me dis nous ça, président ça a tout, son président toujours là pour remercier tout le monde qui va s'accaper. Même j'en profite d'occasion ça, dans la ville Saint-Raphaël pour me remercier l'Union Européenne. 27 pays européens qui vont nous coûter, qui permettent de nous financer les routes qui sont tirées pour y aller Saint-Raphaël. Qui fait bon nous coûter encore, qui fait, qui permettent de nous financer des déviations parce que nous ne pouvons pas de route là-bas dans la ville Saint-Raphaël là. Le financier pour nous, nous croyons environ 10 millions de dollars pour nous la passer 2 ans sans Raphaël. Ça veut dire que nous avons nous le faire sous Bouyara comme ça. Ça veut dire, c'est pour me dire que nous profiter dans nos mounes sans Raphaël, dans nos mounes d'Ondon, dans nos mounes première section sans Raphaël, dans nos mounes Mangrangil, dans nos mounes barrières battants, dans nos mounes Kafoumena, m'a demandé. Zami nous, 27 pays européens à nous, pour être capable de nous rescouter, tant pis, pas quitter compagnie à démobiliser, pendant le mobiliser sous contournement de Saint-Raphaël là, à nous tout mobiliser sous Saint-Raphaël là, et battant pour nous. Action de grâce, chantée dans l'occasion 39 l'année service maritime et navigation d'Haïti. Activité pour marquer 39 années existence semaine déroulée dans local institution en présence de diverses personnalités parmi eux des anciens directeurs institution. Directeur général Semana, Eric Prévost Junior, explique le travail qui réalisé et projet qui déjà commencé dans diverses régions dans le pays. La mise en état de fonctionnement de 14 des 16 ports de la République d'Haïti. Le balisage de la baie du Cap-Haïtien. La mise en état de fonctionnement des différents feux d'alignement et feux portuaires dans nos différents ports de cabotage, par exemple Marigot, Anse-à-Galin, Saint-Marc, Gonaïve, Petit-Gouave, Île-à-Vache, Cariès, etc. Le projet de la reconstruction du phare à Mont-Saint-Nicolas, dont l'état d'avancement est à 65%.
la mise en route du projet de construction du phare de Pointe-à-Baquette, Jacmel, l'étude, l'appel d'offres et la sélection de l'entreprise exécutante ont été déjà réalisés. Le projet de construction des bâtiments de l'Institut national des métiers de la mer, financé par la Banque caribéenne de développement, avance à grands pas. Représentant la présidence dans l'activité SAA, félicité Nanon président République là, directeur général Semana, pour travail li réalisé dans le secteur maritime là. En mon nom et en celui du président de la République, son excellent journal Moïse, que je vous présente, je tiens la féliciter l'engagement du directeur général de l'institution, M. Éric Junior Prévost, qui est un passionné de la mer. Et je salue aussi son staff. Le directeur général a pris un engagement qui a permis la réalisation de certains grands projets, tels la construction d'un phare au Mont Saint-Nicolas, le projet de construction du phare de Pointe à Baguette et la construction des bâtiments devant loger l'Institut national de formation au métier de la mer avec l'aide de la Banque caribéenne de développement BCD. Activité ça a été occasion pour le directeur général là lancer un message tête ensemble et puis demander personnel institution continuer collaborer avec lui pour faciliter le projet Semanayo atterri sans problème. Haïtiennes et Haïtiens, ressaisissez-vous, l'heure est grave. Ouvrez votre cœur à l'amour, faites place à l'humilité, cultivez la paix. C'est dans l'amour et la paix que nous aurons un pays prospère qui répond aux besoins de ses filles et de ses fils. C'est dans l'année 1982, Service maritime et navigation d'Haïti prend naissance pour contrôler toute activité qu'a fait sous la mer et dans l'environnement de la mer. Dans la rue, là, même j'ai tous les citoyens pour venir dénoncer l'insécurité. Parce que pas de monde qui épargne toute couche dans la population. Je demande pour qu'il y ait bonne sécurité dans le pays pour tout le monde dans la population qui a vaincu l'occupation. Il faut dénoncer tout cas de kidnapping. Il faut nous coopérer pour rejoindre le monde qui kidnappe. Présence de la rue, c'est pour nous dire non à kidnapping, non à assassinat, non à insécurité, non à machine leur mort. Ça. Il y a un phénomène économique déjà pour te aller la vie puisse passer 15 timoun en 2 à 12 ans dans la localité pour Rodaïe, 8e section commune Jérémy. Timoun ça y est mouru suite à vomissement. Quelques temps après cet homme-là, il y a un dernier souffle. Plusieurs parents ont mélangé dans la localité Silla qui a préclamé intervention autorité sanitaire à judiciaire pour éviter de continuer contre les cadavres. Direction sanitaire Grandance déjà dépêché une équipe pour faire une première enquête et puis faire prélèvement pour bonne analyse pour déterminer la cause de la mort de Timoun Sayo. Directeur départemental sanitaire Grandance, Dr. Angelo Di Venison, fait connaître, il déjà travaillé pour déterminer la cause et puis il veut faire bonne prévention pour éviter que Timoun Sayo continue victime dans la localité. Plusieurs parents victimes attribuent la mort de Timoun Sayo à l'activité sorcellerie. Côté de l'Ouest, bien long, sous Brunel Victor, un jeune garçon dans un nom qui joue une arrestation après interrogatoire dans le service départemental pour les judiciaires. En plus, le monde vient bloquer sauté pour cette situation ça pas à dégénérer et puis développer violence communautaire face à la stigmatisation. En plus, le monde commence à subir dans la 8e section. Jérémy Guillaume Gérald, Télévision Nationale d'Haïti. Et puis, on a enchaîné pour nous faire connaître 7 mars 2021, fait exactement 9 l'année d'existence, centre ambulancier national. Diverses activités réalisées pour marquer 9 l'année ça, d'après directeur Canlan, Didier Hérold Louis, qui présentait bilan institution SILA. Selon Dr Didier Roloui, Kangan pour Kounia, 83 ambulances qui fonctionnent. En suivant bout de déclaration, le micro Louis-Nel Jean-Louis avec Michaud Joseph. Plus présence ambulance centre ambulancier national dans la rue, qu'il s'agisse de département de l'Ouest ou de l'autre département dans le pays. D'ailleurs, pour 9 ans centre ambulancier national là, nous avons décidé pour nous célébrer avec le réseau ambulancier Artibonite là. Et à cette occasion, nous avons une messe d'action de grâce dans la cathédrale Saint-Charles-Borromée, messe qui était célébrée par Monseigneur Nicolas Vitesse.
avec 50 employés dans le réseau La Tibonite là. Après Mesla, et bien entendu, nous retrouvons ensemble pour nous dire quelques mots, pour nous faire quelques échanges et puis partager un morceau. Et au niveau réseau ambulancier à Tibonite là, employés eux-mêmes étaient très contents parce que c'est un réseau pendant deux dernières années ça, qui sont passées là, qui a gagné pas mal de difficultés. Et c'est ça qui fait nous voir que l'institution lui-même a grandi. Côté qui a une difficulté dans le réseau, côté que l'employé a une lettre d'affectation dans le réseau, a des arriérés de salaire qui étaient dus pendant plus de 18 mois. Que je dis, dans le réseau ça, dans la Tibonite, l'employé recevoir arriérés de salaire. Le réseau a, je dis, il y a 33 personnes qui sont nommés dans la lettre de nomination dans le réseau. Et nous avons une lettre de nomination pour à peu près en vingtaine l'autre employé. Il y a des choses que nous sommes capables de mettre en actif et travail et qui fait dans cette ambulance nationale pendant deux ans qui sont passés là. Tout, c'est maintenance et augmentation de flotte ambulance là. En 2018, moi-même, j'ai été pris en direction de cette ambulance nationale. C'était une soixantaine d'ambulances qui étaient disponibles. Et aujourd'hui, nous avons 83 ambulances fonctionnelles dans le réseau à travers différents réseaux. Et départementaux au centre ambulancier national. 83 ambulances qui fonctionnelles, gagnent à peu près une vingtaine d'ambulances qui a préparé là, dans le garage centre ambulancier national, qui pourra ajouter à flotte là. Ainsi, d'ici mois juin, année ça, c'est plus de 120 ambulances centre ambulancier national qui sont en opération dans le pays. Travail à l'y montrer tout à partir de statistiques que nous avons publiées depuis septembre 2019. Chaque mois, bon Dieu fait moi. Côté que c'est plus d'un millier, près de 1200 cas d'urgence que l'ambulance, Centre Ambulance Nationale, eux-mêmes, ils prennent en charge à travers différents départements dans le pays. Statistiques tout, c'est COVID. COVID que nous avons fait, et quand vous m'avez dit, c'est Cannes qui fait COVID. Dans la mesure où les ambulances du Cannes ont transporté plus de 1200 patients COVID, patients confirmés et patients et suspects COVID, depuis que le ministère de la Santé publique lui-même a annoncé le premier cas COVID en mars 2019. Ce travail ça que nous avons fait aujourd'hui, qui rend nous-mêmes, au niveau de direction générale là, et au niveau de personnel Centre Ambulance Nationale, qui rend nous-mêmes et satisfaits. Clinique mobile ça a été occasion pour bénéficiaires de jouer soins la santé, recevoir médicaments gratis, mais toujours une formation KPDO dans le cadre santé maternelle infantile. D'après président Otan Club Pétionville Sigla, Dr. Jacques Guy Lafontaine, il y a environ une trentaine de professionnels de santé qui te rendent possible clinique ça. Nous honorons environ une dizaine de femmes qui travaillent en première ligne dans la lutte contre coronavirus. Femme dit nous que femme ça. Pendant que nous connaissons que son maladie qui est très contagieuse, pendant que nous connaissons que nous avons mouru malgré pas grand pile qui nous en Haïti, le risque de vie et nous aller au chevet des patients qui atteignent, n'est-ce pas, de maladie ça pour nous sauver. Donc c'était une grande occasion pour nous honorer mesdames ça après-midi. Mais nous profitons tout de l'occasion pour nous songer tout ça qui est tombé. C'est comme ça nous avons une cérémonie à la bougie que nous faisons, que nous allumons bougie pour chaque grande femme qui est tombée de maladie ça. Ministre condition femme et droit femme Marie-Ghislaine mon premier salue initiative ça responsable MCFDF là dans occasion renouveler engagement administration Moïse à gouvernement joute là pour continuer faire respecter droit toute femme dans pays là. La santé c'est un droit femme qui c'est puisque femme c'est monde donc c'est un droit monde d'accord. Donc c'est un privilège que venir aujourd'hui à nos centre là pour moi gros travail que y a fait là dans lui. Donc moi bien content et surtout il y a célébrer tout mémoire femme qui est tombée dans COVID-19 parce que tout ça on a célébré là c'est dans le cadre et COVID-19 là qui est à travers le monde. Donc ce qui handicapait en quelque sorte activité que nous avons fait dans le pays. Bénéficiaires, je remercie organisateurs d'activités ça. Ils promettent pour nous suivre conseil, nous recevoir dans le cadre de séance formation.
dans l'idée pour prendre soin tête ak famille. Ça veut dire un gros bagage pour moi bien contre activité ça qui fait dans centre là. Nous remercions l'organisation qui organise le programme ça pour nous. N'attend notre organisation tout. Ou dans ces pays ma participation famille dans contexte corona. C'est sous thème ça, responsable du club Pétionville Sud, réalisé clinique mobile ça dimanche 7 mars 2021. Merci Midrey ak Maxo. Dans la 6e édition série conférence pour la presse vendredi environnement, ministre environnement Abner Septembre présenté bilan travail li pendant 12 mois depuis la dirigé ministère environnement. Mise en place 18 jardins garde-manger, inauguration centre germoplasme avec système pompage solaire dans divers départements dans le pays. C'est quelques parmi ensemble réalisations, ministre Abner Septembre dit pendant yon l'année depuis la dirigé ministère a fait. N'a invité nous suivre yon bout. En termes de consolidation de l'environnement, il y a 1356 leaders communautaires formés dans le domaine de l'éducation et de la sensibilisation environnementale. 125 773 personnes formées et sensibilisées directement, 5 000 mètres linéaires de canaux de contour, 240 mètres cubes de gabions érigés, 598 mètres linéaires de canal de drainage curé, 525 mètres cubes de déchets enlevés et évacués, 232 emplois directs créés, 32 900 mètres linéaires de ravines traitées, 10 visites effectuées dans 5 centres de germoplasme. Il y a une pépinière satellite incluant CR et Citerne, donc également réalisée, mais qui n'a, ses activités sont en voie d'achèvement. 38 850 plantules mises en terre et 8 200 mètres linéaires de terre conservés et permettant du coup de créer 333 emplois du côté de Petit Gorge Chaval. 6 séances au moins médiatisées le vendredi de l'environnement et des conférences. Accompagnement de plus de 15 000 familles dans le cadre de l'allocation du gouvernement à travers mon cash. Certaines d'entre elles ayant déjà reçu une allocation de 3 000 $ sur leur téléphone. Création de plus de 10 000 emplois vers fin 2020, début 2021 à travers le pays dans le cadre de l'activité d'apaisement social mise en place par le gouvernement. Voilà le contexte dans lequel travaille, évolue le ministère de l'Environnement. Aux enjeux forts, des notions fortes, il faut instaurer l'état d'urgence environnementale, c'est-à-dire établir sa suprématie, la suprématie de l'environnement et son hégémonie progressiste pour que dans une décennie, on renverse la tendance et pour que la population puisse jouir de ses bienfaits. Chaque leader local a pour obligation de mobiliser un grand combat de participation citoyenne pour rebâtir et valoriser autrement nos montagnes, que le ministère de l'Environnement appelle planter à récolter de l'eau en programme décennal pour la restauration des écosystèmes. Le coup d'envoi sera donné à Vallières, dans les montagnes du département du Nord-Est, le 22 mars. Les autorités locales, Kazakh, ASEC, maire, les écoles, le secteur religieux, la presse et les autres OSC, l'université, les institutions d'appui et chaque citoyen en particulier, tout ce beau monde est invité à rejoindre ce grand combat qu'on appelle planter, agricolter de l'eau. Pour célébrer Journée internationale droit famille, mairie Tabar distribuait cadeau by quelques femmes dimanche qui était 7 mars là. Président commission communale Tabarlan, Nice Simon, rappelait toute famille yo gagne même droit à garçon yo pendant fait qu'on est famille représentée
38.4% actif dans l'économie. N'a invité nous suivre un extrait dans le micro Aldor Duverneau avec Michel Joseph. Nous avons le même droit pour nous joindre l'éducation. Nous avons le même droit pour nous joindre la soignée, pour nous monter le business plan, pour nous travailler dans l'État pour nous priver, pour nous faire politique, pour nous divertir nous, sans discrimination, artisanale. Ça veut dire sans garçon pas demander nous vendre pour nous. Songez causer discrimination, inégalité sociale et économique, vous représentez un poison pour le développement moun, développement économique et social. Mettez moun sous côté pour sexe, pour couleur, pour l'âge, pour maladie ou gagné, pour tête yo pauvre, pour tête yo habité dans le monde, ou bien dans le quartier populaire et la trier, c'est plus gros malin qui arrive dans une communauté. Comportement ça yo crasé unité, solidarité à tête ensemble, qui c'est celle force nation pour arriver à lever gros défis à toute chaille qui sous dolio. Tant que tout le monde a même chance pour rejoindre bon gens de l'eau pour yo boire, pour yo à l'hôpital et puis joindre bon la soignée, pour yo manger, pour yo aller à l'école, pour yo travailler, pour yo divertir. Tout le monde a même chance pour faire politique, pour jouer un crédit, pour faire business et la trier. Tout le monde a même traitement devant la justice. Tout le monde a même chance pour jouer une sécurité et la trier. Ce n'est pas un jouet, nous-mêmes femmes, nous parlons pour nous continuer à protocoler dans le développement du pays d'Haïti. Ces milliards permettent, mesdames, de rendre tête utile. Puis on a commé les aïazons, puis on fait commerce avec produits saillants. Produits saillants qui sont à bas 11 produits, qui sont acétone, et liquide lessive, liquide vaisselle, désinfectant, et chlore, crème pour peau. D'ailleurs, nous connaissons que notre société, les que nous rendons mesdames fortes, nous venons travailler, et nous bien garder plein de monde, plein de mesdames qui déplacent, qui viennent supporter, qui viennent encourager. D'ailleurs, même moi, fier étant que maire de la commune, pour me faire ça avec mesdames, pour me mener mesdames, pour mettre mesdames en valeur, pour me dire oui, nous sommes femmes. Femmes nous y est, qui n'a toujours été femmes. Je dis toute femme qui l'a, gardez toujours la tête haute, toujours garder devant. Parce que nous représentons pile bagaille dans le pays. Et ça fait, pour me dire déjà, ma petite bonne fête à toutes femmes. Moi, je vois un gros bout de chapeau pour toutes femmes. Et ceci, femmes, quoi des bouquets, nous un gros bout de chapeau que moi, mais toutes femmes et moi, fière de toutes femmes. Cérémonie lancement sa fête en présence du président de la République, la Jovenel Moïse, première dame, la Martine Moïse, représentant corps diplomatique, cadre, et employé ministère conditions femmes et droits femmes. Représentant ONU Femmes en Haïti, plaidé en faveur intégration mesdames dans tout secteur, et spécialement dans le secteur politique. Là. Ce thème appelle à des mesures décisives, audacieuses et courageuses pour accélérer la marche vers un leadership paritaire dans tous les secteurs et ceci à travers le monde entier. À l'occasion de cette journée spéciale, ONU Femmes salue vivement le leadership de toutes les femmes haïtiennes dans tous les secteurs, société civile, secteur privé, secteur public, secteur politique, secteur académique, sport et arts et médias, pour ne citer que cela. Ministre Conditions Femmes et Droits Femmes, Marie-Gisèle, mon premier, qui croit qu'il est nécessaire pour toute société à poter coller pour permettre l'émancipation de mesdames et puis favoriser l'égalité femmes et garçons dans le pays. Ce forum offre une opportunité aux femmes en tant que partie intégrante de notre société de débattre sur des sujets concernant leur avenir. Ce forum poursuit entre plusieurs objectifs, dont un majeur qui consiste à sensibiliser les femmes sur leur engagement et leur leadership pour leur participation politique à un moment où deux événements majeurs se profilent à l'horizon. Soit l'adoption d'une nouvelle constitution
constitution par un référendum et l'organisation d'élections libres, honnêtes, démocratiques et inclusives pour le renouvellement du personnel politique. C'est le moment idéal pour les femmes de se concerter avec sur leur implication effective et active dans toutes les phases irrelatives et prendre les décisions qui s'imposent. Car il est d'une importance capitale d'obtenir une masse critique de femmes élues à tous les niveaux aux prochaines élections qui auront lieu bientôt. Président de la République, la Jovenel Moïse, renouvelle l'engagement administration liant pour accompagner mesdames et dans faciliter l'intégration. Femmes et demoiselles, femmes qui vivent dans la diaspora, et demoiselles qui vivent dans la diaspora, Jouni Massa, c'est un gros jour pour toutes femmes sur la terre. Nous considérons culturellement. Qui est dit à Jean-Baptiste et Tifio à Camille. Nous faisons développer une bande avec un paquet de préjugés qui fait aussi gros victimes de société. Qui donc, nous victimes toutes sortes de discrimination et exclusion, ni dans le foyer à Caillou, ni dans l'école, ni dans le travail, ni dans les affaires politiques pays. C'est vrai, Haïti a ratifié plusieurs instruments légaux internationaux en faveur de l'égalité sexe. Mais nous avons un pire effort encore. Un pire effort pour nous faire dans appliquer une série de dispositions qui débordent. Tant pis. Loi sur paternité responsable. Loi sur maternité. Loi sur conditions de travail domestique. Gagnez tout. Projet loi 4 sur prévention, sanction et élimination de violence qui a fait sous forme pactifiée. Et on y a, nous voyons que nous n'avons pas même besoin de des affaires pour 80% parce que la nouvelle constitution, c'est 50-50%. Depuis le 8 mars, même après la déclaration de la valeur, nous disons, Zami Saïa, et dit le président, pour entrer dans une zone rouge, pour nommer une lumière rouge. Parce qu'on fait la déclaration, oser ça dans la valeur, pour dire que, fuck, c'est pas seulement pour ça, mais il y a des circonscriptions qui doivent réserver aux femmes. Je dis à 8 mars 2021, c'est le courage de mesdames qui nous aiment là. Courage comme ça qui a dormi les rats chaque jour, qui va jamais décourager. Qui l'aime décourager, les dix présidents ont une mission. Nations Unies choisit date 8 mars là comme journée internationale droit femme dans l'année 1877. Année ça, journée déroulée sous thème leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la COVID-19. Secrétaire général Nations Unies Antonio Guterres mande pays pour créer opportunité de travail pour aider mesdames yo intégrer surtout après pandémie COVID-19 là. Voilà, et merci avec tout le monde qui était branché pour te cap tendez dernière information. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous abonner avec chaîne là et toujours songez pour activer petite cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.